C'est une belle habitude, le relais parents assistant maternel, géré par la CCPOM, organise chaque année sa traditionnelle fête de Noël, destinée aux assistants maternels, aux enfants qu'ils accueillent et à leurs parents. Et comme il y a beaucoup d'enfants sur le territoire, deux après-midi de fête sont organisés. La première s'est déroulée ce mercredi 9 décembre à l'Agora. Au programme pour tous ces enfants, un spectacle de marionnettes de la compagnie Coconut. Le marchand de sable est passé, tous les yeux se ferment. Le marchand de sable est passé, il est temps de se coucher. Intitulé L'attrape-rêve, on y retrouve Pierrot, entouré de tous ses amis, la petite souris, le lapin chocolatier, le marchand de sable et cette fée d'orlotte qui a bien du mal à trouver le sommeil. Un spectacle au pays des rêves et des cauchemars, un spectacle visuel qui a su captiver les tout-petits comme les plus grands et qui s'est clôturé par l'arrivée du Père Noël. Mon attrape-rêve est vraiment magique. Eh oui, les amis t'ont fait un cadeau merveilleux. Jean Cantel, maire de Montoy-la-Montagne et délégué au suivi de la petite enfance à la CCPOM, entouré des responsables du relais parents assistants maternels, a remercié l'ensemble des personnes présentes et a invité le Père Noël, cette fois le vrai, à le rejoindre. L'après-midi s'est donc clôturé avec le Père Noël et autour d'un bon goûter offert par la CCPOM. Enfin, on vous rappelle que le relais est basé dans les locaux du multi-accueil La Forêt Enchantée d'Amnéville et qu'il est un lieu d'écoute, d'information, de rencontres et d'échanges pour les assistants maternels, les parents et les futurs parents.